Le numéro de téléphone du roi Mohamed VI est figuré sur le listing marocain du système Pegasus. Ce qui surprend le plus lorsque l'on examine de près cette liste, c'est que le souverain lui-même fait partie des numéros sélectionnés comme cible potentielle de Pegasus, a rapporté France Culture. La même source assure qu'un grand nombre de numéros appartenant à des membres de la famille royale figurent parmi ceux identifiés par le consortium du projet Pegasus, comme étant susceptibles d'être attaqués par le logiciel espion. Le média cite le numéro personnel de la princesse Lala Salma. Il s'agit aussi du prince Moulay Hichem, cousin germain du souverain chérifien. Son numéro est rentré dans le système, tout comme celui de son épouse, de leurs deux filles et de son jeune frère, le prince Moulay Ismail. L'homme d'affaires et ancien gendre de Hassan II, Foued Filali, est également cité comme victime potentielle de Pegasus aux côtés de sa sœur, de sa fille, qui n'est autre que la nièce du roi Mohamed VI. Deux architectes français installés à Rabat qui travaillaient sur le chantier du palace Pozzi Corso, un hôtel de luxe situé à Lecce dans les Pouilles en Italie, dont Fouad Filali était le propriétaire, auraient été ciblés. Il s'agirait aussi de Mohamed Medioury, beau-père du souverain et ancien garde du corps personnel de Hassan II, du chambellan du roi Sidi Mohamed Alaoui, du secrétaire particulier du monarque et de trois autres membres de la famille de ce dernier, en plus du chef de la gendarmerie royale du Maroc, le général Mohamed Aramou, et de l'ancien chef des gardes du corps du roi Hassan Shira. Le projet Pegasus, coordonné aussi par 17 rédactions et médias, a révélé jusqu'ici que les téléphones portables de journalistes, personnalités et activistes des droits humains, marocains et étrangers, auraient été ciblés par le logiciel d'espionnage produit par l'entreprise israélienne NSO. Avec 10 000 numéros potentiellement surveillés, le Maroc serait même son deuxième client.